Salut les amis, c'est Dessan et on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 3 déjà de la saison 2 de SimCity. Construisons Las Vegas, voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous faire part de plein de choses déjà, la cité qui a un petit peu évolué, hein, vous pouvez le voir depuis l'épisode 2. Et plein d'autres choses concernant la chaîne bien sûr. Voilà. Donc tout d'abord, voyons notre ville qui a grandi. Donc oui, en effet, j'ai joué sans vous. Oh là là. j'ai joué sans vous. J'ai pu développer un petit peu la ville, construire un deuxième casino, ainsi que le siège jeu. Comme ça, ça me permet en fait de mieux gérer mes casinos et pouvoir aussi en construire des plus grands. Donc je reviens tout de suite, je fais une petite pause, je change juste les paramètres et je reviens. Voilà les amis, donc comme je vous disais, la ville a un petit peu évolué comme vous pouvez le voir. Des grands bâtiments commencent à sortir de terre et la ville a un petit peu grandi. De belles industries se sont construites aussi puisque bien sûr j'ai construit une université. Du coup mes Sims sont un petit peu plus intelligents que ceux de base. Voilà, donc par contre la ville va mal on va dire, c'est-à-dire va mal, les gens sont contents, sont heureux, mais vous voyez qu'il y a un gros problème bonheur commercial apparemment, je ne sais pas trop le souci là, il va falloir que je le règle assez rapidement, et j'ai aussi un problème d'électricité on va dire, vous voyez que j'ai dû construire une autre centrale, mais cette fois-ci solaire, parce que ma centrale éolienne a du mal à alimenter ma ville. Vous voyez que là, je suis à moins 28. Voilà, la cité a vraiment besoin d'électricité. Donc j'en achète normalement, si je ne me trompe pas, j'en achetais. Je sais pas si je l'achète encore. Non, donc là, je vais en acheter à notre ami de Boston, car Mister, je voudrais pas dire de bêtises dans son pseudo parce que je ne le vois plus, mais en tout cas c'est un abonné qui est venu me rejoindre et ça me fait plaisir puisque comme je vous avais dit, je vous invite encore une fois à me rejoindre pour dans cette région, voilà, donc Europe de l'Ouest 3, et ensuite envoyez-moi par YouTube ou par Skype si vous m'avez votre pseudo origine, comme ça je vous invite et vous rejoignez cette belle contrée. Voilà, donc là on continue, il y a un petit problème à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes pas assez, l'université est trop petite, je parie que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a tellement de façons d'agrandir un siège. Voilà, je m'en doutais. Donc voilà, encore une fois, il faut que je rajoute des dortoirs. Ce qu'on va faire plus tard, puisque je n'ai pas assez de Simflouz. Voilà, donc encore, hein, Las Vegas continue à s'agrandir. Il y aura bien sûr de nouveaux casinos encore plus grands et qui rapportent encore plus d'argent. Des problèmes d'eau aussi, j'ai eu pas mal parce que... l'eau avait besoin d'être alimentée en eau. La ville avait besoin d'être alimentée en eau, excusez-moi. Et malheureusement, j'ai eu quelques difficultés, on va dire, à ce niveau-là. Là, je vois aussi, vous voyez que mes rues sont assez encombrées. Donc, prochainement, le budget de la ville, ça va être de construire un tram, mais ce qui coûte assez cher. Donc, voilà. J'ai quand même bien développé. Donc, vous voyez, j'ai encore des soucis d'évacuation d'eau maintenant. Les tuyaux qui débordent, c'est super. Donc ce qu'on va faire... Excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... comment dire, évacuer un peu d'eau ici, ou alors tout simplement, on va acheter des capacités de traitement à nos amis, les voisins. Voilà, parce que j'ai de l'argent, donc j'hésite pas à les utiliser. Là, c'est pareil, est-ce qu'on ne peut pas demander... Non. Donc là c'est vrai qu'au niveau de la ville j'ai quelques petits soucis on va dire, pas très très importants, mais je peux avoir quelques petits soucis sur certaines choses. Vous voyez déjà le traitement de l'eau c'est pas super super et on va dire que je pourrais avoir de meilleures prestations on va dire publiques. Donc bon voilà, donc il y a pas mal de choses encore à améliorer dans la ville avant que j'arrive à m'en mettre plein les fouilles. J'ai de gros soucis. Qui m'a donné de l'argent? Bon bah on m'a donné de l'argent, c'est très gentil. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est génial. Je vais peut-être pouvoir comme ça développer encore plus la ville. Attends. J'ai des problèmes d'évacuation d'eau, sachant qu'on m'a donné plein de sous.
On va remédier au problème de suite. Voilà, ça c'est fait. On va augmenter. Bah, c'est super gentil de sa part, je ne sais pas qui l'a fait. Mais en tout cas, merci à toi. Alors, la criminalité gagne du terrain. Apparemment, je n'ai pas assez en fait de patrouille, encore une fois. Donc on va mettre une patrouille. Et on va mettre un centre de prévention de crime. Ça permettra de... d'alléger un petit peu nos flics. Ensuite, ici, je voulais aussi... c'était surtout... Donc ici, université avec école d'ingénieur. Le problème, il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre truc pour avoir d'autres camions. Agrandir ça. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, les amis, ce qui est assez important, je pense, déjà d'une, l'électricité. Hein, mon but, je vais bientôt, normalement, réussir à développer ça. Et ça, ça serait bien, parce que ça me permettrait d'avoir une centrale électrique beaucoup plus, on va dire, puissante. Et ce que je vais faire aussi, c'est tout de suite mettre un tram, qui est pour moi la meilleure façon de gérer, en fait, le transport dans les villes. C'est vraiment la meilleure des choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Et on va se créer un chemin de tram assez bien foutu. En tout cas, j'espère. Je vais essayer de faire ça intelligemment. Donc là, il y a déjà... Là, il y a déjà... Là, il y a déjà... Parce que c'est un petit peu le bordel. Ok, ça marche. Alors, on va mettre notre petit tram. Hop là. On va pouvoir le mettre ici. Je pense qu'ici c'est une bonne chose. C'est pas con. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va se mettre plus de trams. Voilà. Le problème, voilà, c'est que ça coûte assez cher en... On va dire en... Pas d'arrêt de tram. Je sais, 2 minutes mon cher ami, 2 minutes. En plus c'est très bien parce que ça va venir se mettre sur... Alors ça je peux l'augmenter aussi, donc on va le faire. Hop là. Ça va venir se mettre en fait au niveau des casinos, donc ça c'est cool. Et de toute façon, bah là avec l'argent qu'on m'a donné, je vais en profiter pour construire... Je ne sais pas, un casino je pense, parce que c'est vraiment ma spécialité. Et merci encore une fois à la personne qui m'a envoyé ça. Donc casino futuriste, casino coquet, c'est assez... Je pense que c'est pas mal parce que casino coquet, au moins je peux toucher les gens pauvres comme les gens riches, comme les gens moyens. Donc on va aller se mettre ça juste en face du siège. Ou ici, voilà, on va essayer de blinder un petit peu tout ça. Donc oui, je sais, ça coûte mon cher ami, on va être dans la merde. Mais, donc là... Des chambres coquettes, je ne sais pas trop. Peu élevées. Là, c'est coquette, hauteur, terrasse. On va vraiment faire des choses super belles, quand même. Ça, c'est cool. On va se mettre une petite enseigne de casino, qui a de la gueule. Vous inquiétez pas, ça va bientôt donner des sous. Ça a tellement généré de sous d'ailleurs que... On va s'en mettre plein les fouilles. Ok, bah encore une fois, merci à la personne qui m'a aidé et qui m'a donné plein de sous comme ça. C'est génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter en fait aussi notre flotte de bus. Qui est, je pense, quelque chose d'assez important. Parce qu'en effet, j'ai dit. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un centre d'exposition aussi. Et ça, ça va me permettre de faire venir mes nombre de personnes et de touristes. Et ça, ça va être génial. Il faut juste que je me souvienne où c'est. Stade. Voilà, c'est ça. On va se mettre un beau stade. 15 000 personnes, 3 000. Allez, on va se mettre un beau stade. En même temps, c'est pas Las Vegas pour rien, les amis. Voilà, nickel. Alors, par contre, ce que vous voyez, on a des petits soucis de bouchons, déjà. Hein, des gros soucis de bouchons, même, je dirais. Et ce qu'on va faire, c'est que lui... Bon, on peut juste mettre ça, en fait. Donc, on va mettre ça.
et on va après programmer un grand spectacle, ce qui va permettre de s'en mettre plein les fouilles encore une fois. Je sais, on a des problèmes de pompiers. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se remettre en fait une petite caserne de pompiers ici. Hop. De toute façon, on va se faire du profit avec les casinos, donc je me prends pas la tête. Ça sera pas un réel problème. Voilà, comme ça, ce côté-là de la ville sera protégé par nos pompiers. C'était quoi ça? Mais what the fuck? Ça a pété et c'est tombé quoi. Cause catastrophe. Oh my god. On va tout de suite enlever ça. Parce que je sens que ça va polluer sinon. Non, il n'y a pas de radioactivité déjà, c'est principal. Ok. Mais vous pouvez pas faire votre taf? Les pompiers là? Faut qu'on allège absolument les routes là, c'est terrible. Voilà, là ça permet aussi d'alléger un petit peu. C'est ici que les routes sont beaucoup trop petites en fait. Le problème c'est que bah, je suis à fond. Je suis à fond. Alors ce qu'on va faire, on va regarder au niveau des bus. Si je peux pas rajouter quelques arrêts encore. Ce qui permettra aux gens de circuler un peu mieux. Mais apparemment c'est bien couvert quand même. Si on met des bus bien sûr. J'ai des petits problèmes de centrales qui se sont... pas de clients. Vous voyez, j'ai des petits soucis aussi de... Pourquoi ils sont bloqués? On dirait qu'ils sont bloqués. Ah, ça y est. Je suis en train de perdre des sous. Mais ça va se faire, ça va se faire. Je suis à moins 5000, c'est génial. Faudrait qu'il me fasse encore un... Ah c'est bon, moins 1000. Plus de profit si possible, ça serait cool. On va se mettre un deuxième incinérateur. Pas de simflouze. Ok, j'ai plus de sous. Donc là, on va faire un truc. C'est qu'on va se reprendre une obligation, ça va couvrir... Merde, j'ai pris une petite. Ça va couvrir les dépenses. Ça va couvrir les dépenses, c'est du grand n'importe quoi. On va programmer un événement et là on va se faire de la thune. Parce que coût de l'événement, j'ai pas assez de sous. Allez. Bon, j'ai réussi un petit peu à alléger mes routes. À part ici. C'est le gros bordel. En même temps, il y a des gens qui viennent habiter. C'est normal, je ne m'inquiète pas. J'aimerais juste un truc, c'est qu'ils arrivent à faire un petit peu plus de profit. C'est quoi qui me met dans la panade là? Regardons. Les flics me mettent pas mal dans la panade en effet, mais bon, il me faut pas mal de flics. Ah, mais moi je peux pas faire plus après hein. Mettre une centrale, ça va peut-être les aider. Plus d'argent, s'il vous plaît, plus d'argent, il me faudrait plus d'argent. Il y a plus d'argent. On va se mettre un autre casino, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Allez, faut que ça brûle. Brûler plus de... C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Je suis en train de pourrir la planète. J'ai pas beaucoup d'ambulance, mais j'ai pas de problème d'ambulance. Donc ça va. On va ralentir un peu la cadence pour mieux comprendre ce qui se passe et essayer... Et essayer de comprendre et voir ce qu'on pourrait faire pour assurer le bon fonctionnement de la ville. Alors lui, bientôt le profit qui va être à fond. J'aimerais bien que je fasse plus de profit quand même. Moins 1700, ça descend, il faudrait que je repasse au-dessus quoi. Parce que là je suis à combien? Je suis à 10% partout, sauf les riches. Ça serait bien que ça augmente un petit peu. Donc, avec tout ce qui se passe là, j'ai même pas eu le temps de vous expliquer un petit peu la chaîne et ce qui s'en passe. Donc vous avez vu que j'ai fait quelques petites... j'ai fait une petite pause, on va dire, d'une semaine et demie. J'avais vraiment pas mal de choses à faire, perso. Donc du coup, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps. Je suis désolé. J'ai certaines choses que je n'ai pas fait. Mais là, ça repart aujourd'hui, justement, avec cette vidéo. Donc c'est reparti pour plein de choses. Déjà d'une, je continue encore le multi avec vous les amis, hein. Je continue SimCity bien sûr, puisque je l'aime bien ce jeu, et en plus je trouve que je peux m'en sortir, mais il y a aussi une chose, qui est assez importante, Aether 2 est sorti sur Minecraft, le mode bien sûr, comme vous le connaissez, et c'est un mode que je souhaiterais exploiter, on va dire, en multi, pourquoi pas faire une petite aventure suivie, ça peut être sympa. Donc, ce qui serait encore plus cool, ça serait que j'arrive en fait à mettre la map du petit monde de CMA, notre petit village qu'on avait fait là-dessus, et pouvoir nous aventurer sur ce mode Aether, donc dans le paradis de Minecraft, pour voir un peu ce qu'il en retourne, et ce qui peut être assez sympa, je pense, ça peut être assez cool. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Voilà, donc... Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire à la base en fait. Par rapport à la chaîne. Donc bien sûr, Planet Side 2, du Panzer, plein de choses. C'est vrai que Panzer, je me suis pas trop mis à fond dessus ces derniers temps. Mais je vais essayer de réorganiser un petit peu cette team en fait. Qui pourrait être pas mal. Alors là, il n'y a pas d'hôtel. Ils ont pas assez d'hôtels, apparemment. Je ne peux pas en mettre 50 000 non plus, hein, des hôtels. On va mettre ça. Histoire de... Le problème, c'est que là, je vais avoir un problème de sous. Alors, on va venir taxer un petit peu les riches. Histoire de remonter la pente et les pauvres. Voilà. Allez, faudrait que j'arrive à être un petit peu moins en dessous de tout ça là. Ah putain. Un peu en hausse. Bon, on va augmenter encore les impôts chez les pauvres. Hein. Quoi, je suis à moins 3000. Bon bah comme ça on n'est pas dans le caca les amis. Pourquoi moins 3000? J'ai fait trop de dépenses. J'ai fait beaucoup trop de dépenses. Allez, il faut que ça fasse plus de sous tout ça là. On fait pas des casinos pour faire une faillite. Voilà, plus 2500, c'est bon. On remonte un peu. Non non, remonte. Je vais rebaisser un peu les impôts. Allez, tiens bon, s'il te plaît. Bon. Ah, c'est bon, ça remonte. Ça remonte, les amis, ça remonte.
ça m'a pas donné de sous tout ça. Purée. Bon, ça va. J'arrive à tenir le coup, les amis. L'argent tombe un petit peu. Donc on arrive à sortir la tête de l'eau. Voilà, nickel. Las Vegas tourne. Donc là, je vais avoir un gros problème d'électricité, ça c'est sûr et certain. Vivement, vivement que ce projet soit terminé. Je pourrais vraiment avoir une centrale digne de ce nom qui pourra bien bien alimenter tout ça. Bon, je peux redescendre encore les impôts, sinon ils vont pas être contents, surtout les riches, parce que les riches sont un petit peu relous. Voilà, c'est bon. Là, ils vont être contents, les impôts sont descendus. Et je vais commencer à reperdre de l'argent. Putain. Voilà, les flics ne peuvent pas me dire qu'ils ont pas assez. Hein. Là, je peux rien faire. Si là, ils ont pas assez de moyens, moi, je ne sais plus quoi faire. Et en plus, je suis loin d'avoir remboursé fraude. Je suis pas fraudé. Ça va, il y en a des flics dans la ville quand même. Hein. Pourquoi il n'y a plus personne? Ouh, putain! En effet! En effet, il n'y a pas énormément. Merde. Il n'y a pas énormément de personnes. Qui vont à l'école. Bon, eh bien, dis donc. J'aurais réussi. Bon, ce centre d'exposition pour l'instant me sert à rien, mon stade pro là. Puisque je n'ai pas assez d'argent pour programmer un événement qui va me rapporter gros. Le plus gros, c'est quoi d'ailleurs? C'est ça. Légende du rock. Peut se faire le double en fait. Les bâtiments qui tombent en ruine comme ça causent pas d'électricité. Il est là le souci en fait. Du coup, c'est vrai qu'on perd des citoyens. Allez, allez, on remonte, on remonte. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, on va recréer des zones d'habitation. Je vais bien être obligé parce qu'en plus, regardez bien, si je vais là, j'ai pas mal de postes vacants. Ce qui veut dire que j'ai pas forcément assez de contribuables. Alors, surtout que j'ai des postes vacants au niveau des ouvriers, on va dire, ouais, de la classe ouvrière. Donc on va venir un peu agrandir ça. Par contre où? Eh ben je ne sais pas. Parce que voilà le souci de SimCity, c'est qu'on a très peu de place. Et ça franchement c'est vraiment agaçant. Et c'est vraiment le gros souci du jeu je trouve. C'est qu'on ne peut pas équilibrer à ce niveau là à cause de ça. Et là je perds de l'argent, je ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, on perd de l'argent, c'est un truc impossible. Mais bon, c'est pas grave, on va remonter les impôts histoire de. Allez, grimper. Je veux plus d'habitations là qui s'agrandissent un peu là. Je veux tout de suite des grands bâtiments. Il manque aussi pas mal de. Je sais pas si c'est des riches ou des moyennement riches. Il manque des moyennement riches et les riches. Donc comme ça c'est génial. Il manque un peu de tout en fait. Donc ici je peux peut-être en rajouter. Voilà, on va en rajouter ici. Des riches ça va être un peu compliqué. Bon là j'ai des choses qui se construisent. Donc ça va le faire. Eux je ne sais pas pourquoi mais pas assez de place pour augmenter la densité. Petit con. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer ça. Ça va peut-être leur laisser un peu plus de place. Si je fais ça. Yes.
Voyez, des fois, juste des petits trucs comme ça qui gênent. C'est bon, je commence à me refaire des sous. Valeur du terrain, pas terrible. Mais si, tu vas voir que ça va être beau, mon terrain. C'est moi qui te le dis. Voilà, nickel. Alors ouais, en effet, je ne comble pas tous les trous que j'ai au niveau de la ville parce que je préfère garder quand même. C'est vrai que j'ai vachement quand même désembouteillé les. Regardez comment ça descend, ça monte, ça redescend, c'est vraiment n'importe quoi. Des fois, on sait pas trop pourquoi et comment ça se passe. La ville est assez jolie de nuit, je trouve. Voilà, là, c'est vraiment un problème d'électricité, vous voyez, c'est pour ça que ça se développe pas. Vivement que lui, il a fini absolument son développement. Parce qu'en plus, ça emmagasine énormément d'électricité. Bon, en attendant, c'est vrai que je pourrais me créer une petite centrale à charbon. Histoire de. Mais bon, ça m'embête un petit peu, j'ai pas trop envie. C'est pareil, je pourrais rajouter encore pas mal d'éoliennes. Mais ça va me coûter plus cher que ce que ça produit vraiment. Donc pour l'instant, j'achète de l'électricité, j'essaye de m'en sortir comme ça. Mais c'est très très compliqué. Surtout que les gens, du coup, bah, il y a beaucoup moins de. Voilà, ils sont beaucoup moins nombreux, tout ça. Donc pour l'instant, j'essaye de faire 100 jusqu'à ce que j'ai en fait développé. Voilà, comme ça, ils vont être heureux. Ça, j'espère que ça va s'agrandir assez vite. Hein, parce que c'est à vendre. Donc les gens, faut juste qu'ils viennent emménager. Ça marche. Bon bah écoutez, ça s'agrandit assez vite. Et donc cette grande avenue de Las Vegas qui me permet de faire beaucoup de thunes. C'est bien là, c'est l'argent rentre vraiment. L'argent rentre vraiment. Donc on va se faire de la thune. Ça sent la fumée, bah c'est cool. Bon bah voilà les amis, on se retrouve déjà à 26 minutes de vidéo. Donc voilà, donc bah, la ville avance. Comme je vous ai dit, je ne vous montre pas tout. Parce que ça peut ne pas être intéressant de tout voir au fur et à mesure. Mais voilà, je fais avancer la ville, je vous montre. Et j'ai commencé à construire une toute petite ville là-bas, qui sera vraiment une ville industrielle et qui va me permettre de ramener un petit peu de main-d'œuvre à Las Vegas et un petit peu de touristes. Donc je la continuerai, pourquoi pas la montrer en vidéo, je ne sais pas, on verra. Parce que ça en fait partie en tout cas. On va aller juste pour finir visiter ces belles villes là que je vois là et là, qui sont vraiment bien développées et qui sont plutôt jolies. Voilà, hop, on va aller voir ça avant de se quitter. Rendre visite, ça peut être sympa. On va aller voir Boston et Denver pour voir si ça se passe bien et s'il y a pas mal de gens dans leur grande ville. Voyons voir ça. Voilà, donc pas mal de choses sur la chaîne qui vont continuer. Voilà, encore des lives, tout ça. Je vais essayer de reprendre les lives tous les dimanches. Comme je vous ai dit, c'est pas sûr, enfin c'est pas sûr à 100%, mais voilà. Bah disons que c'est une très jolie ville qu'il a là, il a pas mal de tours qui sont construits. Ça c'est. Ah c'est plutôt sympa ce qu'il a fait. Mais ils sont vraiment beaucoup mieux organisés que moi. Hein. Ce que je vois, il a vraiment fait des axes. Il y a presque même pas du tout de. Comment dire. D'embouteillage. Il a vraiment construit des axes dignes de ce nom. C'est vraiment sympa ce qu'il a fait. C'est vraiment joli. Contrairement à ce que j'ai fait. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Il a vraiment la gare qui est là. Là qui est vraiment construit et c'est super intelligent en fait ce qu'il a fait je trouve. Donc bravo à toi Elixiria 65, bravo à toi, franchement tu l'as vraiment bien fait ta ville. Faudra que tu me donnes des cours et que tu montres comment tu fais. C'est vraiment joli, c'est vraiment sympa, c'est clair, c'est net, il doit se faire une thune pas possible, regardez. Il est à 3000 et quelques par heure. Beaucoup mieux organisé que moi en tout cas. Il y a même des beaux. Ça a de la gueule quoi, ça ressemble à quelque chose contrairement à moi qui ressemble, ça ressemble strictement à rien. Donc il s'est établi sur le tourisme en fait, c'est sympa, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et bah à côté je suis vraiment une bille. Alors, on va aller voir l'autre ville. Non je peux pas, il faut que je rentre dans ma ville et que je retourne, ok. On va aller voir l'autre ville pour finir la vidéo qui durera une bonne petite demi-heure. Mais voilà, ça fait plaisir qu'il y en a qui sont meilleurs que moi hein, sur SimCity. En même temps c'est pas compliqué on va dire hein, moi ça ressemble pas à grand chose, les rues sont carrées, les rues sont moches
Et lui, bah voilà, il est venu, il m'a expliqué comment ça marchait SimCity en gros, quoi. Alors on va aller voir notre ami qui détient Denver. On va aller voir à quoi ça ressemble. Je pense que la ville est tout aussi jolie que celle que je viens de voir. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Comment ils font des ponts comme ça? Moi, je sais même pas les faire. C'est terrible. Ah, ils ont vraiment des jolies villes, hein. Il y en a, ils maîtrisent quand même. Il y en a qui maîtrisent beaucoup mieux que moi-même. Faut dire ce qui est. Bon, par contre, il perd un peu d'argent. Perd un petit peu d'argent, mais bon. Il s'en est quand même bien sorti. C'est vraiment joli ce qu'il a fait. Il a vraiment une mairie qui ressemble à quelque chose aussi. Vraiment sympa. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, la ville n'est pas moche, mais bon. On va dire que c'est pas non plus la plus jolie. Donc franchement, Jourel, c'est vraiment sympa aussi ce que t'as fait. Putain, mais ils font même des ponts et tout. Je sais même pas comment ils font des tunnels comme ça. C'est terrible. Enfin bref, voilà. Donc je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures. Plein plein de choses encore qui arrivent sur la chaîne. Donc comme je vous ai dit, sur Laser, ça peut être vraiment sympa. J'ai essayé de trouver du temps de vous faire ça. On va s'organiser ça, ça peut être bien. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles choses. Salut tout le monde. Et puis bah, continuez comme ça me fait vraiment plaisir. Laissez un max de commentaires. Je les lis tous de toute façon. Moi, je prends vraiment un réel plaisir à les lire. Voilà, donc salut tout le monde, à bientôt. Et puis je vous fais des gros bisous. Salut, salut.